Donc on se situe à Le Fier, petite commune de 200 âmes, sur le premier plateau jurassien, avec de nombreuses exploitations laitières à compter. Nous exploitons une surface de 230 hectares et une production uniquement de lait à compter d'environ 1 million de litres de lait par an. La production principale, donc, c'est de l'herbe, puisqu'il faut nourrir le troupeau toute l'année. Donc les vaches sont à l'herbe l'été et l'hiver, elles sont allées dans les stabulations et à fourrager en foin, regain, fourrage sec, ce qui est spécifique pour la filière comptée. Nous avons donc investi dans un système de séchage en grange des humidificateurs et qui nous permettent de rentrer des fourrages d'excellente qualité et sans trop de mécanisation au sol, puisque le fourrage est séché en grange. La culture de l'herbe aussi, elle est passionnante, parce que vu les saisons, le climat, l'herbe change, les variétés ont tendance, certaines variétés ont tendance à disparaître. La fumure joue aussi un rôle très important dans les espèces et dans les prairies. La culture de l'herbe, c'est une passion, ça. Il y a tout à apprendre là-dessus, puis encore du travail à faire. Le système comté, c'est vrai qu'on est un peu dans une bulle, mais il y a quand même toujours à travailler et à se serrer les coudes pour essayer de maintenir ce prix et cette valeur ajoutée qui nous revient. D'où l'importance des fruitières coopératives où est fabriqué le comté Morbier Tom Raclette, mais d'où est l'importance aussi également de nos coopératives d'approvisionnement. Et depuis 2 années, puisque nous avons créé l'alliance BFC, qui met en valeur toute la spécificité des laits standards, des laits à comté, des vignerons, des vaches allaitantes, des céréales. C'est ça qui est très intéressant et très motivant, puisque une coop, une alliance ne fonctionnera pas sans le terrain, sans les hommes. C'est les hommes qui font l'avenir de l'agriculture. Un mot à tous les jeunes installés et les futurs installés, et les futurs jeunes agriculteurs, motivez-vous à participer, aller dans les conseils d'administration des coopératives, que ce soit fromagerie ou coop d'appro, car votre avenir en dépend.